Et salut tout le monde, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Resident Evil 6. Alors, c'était un petit peu fail-esque dans le dernier épisode, mais cette fois-ci on va tenter de se rattraper et essayer de tous les buter. Allez, il faut les aider. Voilà. Voilà. Oh, regardez, il y a un emblème de serpent. Ah non, c'est pas ça. Vas-y. Oubliez-le, il va vous faire tuer. Dégage. Choses. Visez la tête. Vous êtes flic, non? Vous savez manier une arme. C'est mon premier jour. Comment je vis? Attention, la bagnole. Allez, on y arrive cette fois, on y arrive. On casse. Tirez sur l'essence. On peut renvoyer ces choses en enfer. Incendiaire, hein, ça te plaît. Ah, ça lui plaît. Bah. On y fera le plein. Et il y aura sans doute d'autres gens. Qu'est-ce que t'en dis? Je ne vois aucune autre option. On va d'abord faire le tour. Ah mince. J'ai pas tout récupéré moi. Ah, regardez! Je l'ai eu! Bon, j'ai fait le tour. Pourquoi toujours pas derrière? Y a quelqu'un? Ouais, toi, je suis au premier étage. Tirez-vous! Allez, mon vieux, ouvrez! Laissez-nous entrer! Ces choses ont envahi ma boutique! Cette porte restera fermée tant que vous les aurez pas éliminées! Il nous prend pour qui? Des dératiseurs? Ouais, c'est ça. Une armée de zombies, quelques résistants. Au secours! Les nazis nous envahissent! Hitler, où es-tu? Recharge.
peux pas être en mode double flingue. Logiquement, je pourrais, mais... je crois pas avoir le flingue en fait. Non, j'ai pas vraiment. Ah si, il faut débloquer l'habileté. On verra ça à la fin du chapitre. Cette flic, mais vous êtes dingue, jouez pas les héros. Allez, mais c'est pas le flingue là. C'est quoi votre problème? C'est non. Salut zombie, va repartir aussi vite que t'es venu. Ah oh, il ressemble là-bas à Kobama celui-là. Ah, je t'ai pas vu arriver toi. Une herbe. Il y a une herbe juste à côté. Eh putain, t'es sérieux? J'étais en train de lui tirer dessus. J'étais en train de lui tirer dessus et au même moment, t'as le zombie qui tombe dessus. Bon. Dommage qu'on puisse pas passer ça, parce que je l'aurais passé. Ah si, on peut passer avec la hache. Et bah voilà, l'herbe verte, elle a disparu maintenant. Un ennemi l'avait drop. Oh tiens. Je vais prendre. Allez, on y va. C'est parti. Out. Je suis... On dirait que je suis dans une partie de zombie jusqu'à là. Et Dieu sait combien c'est pourri qu'à l'heure. Ah, c'est tellement de la merde. Très bien, tomber comme ça. Et vous tomberez comme des mouches. Et encore? Mais tu tires où toi? Derrière le bar. Prenez ma main! Est-ce que ça va? Mais vous êtes dingue! Jouez pas les héros! Elle nous ralentit trop! C'est quoi votre problème? Oh, il sort. Une plante. Des points d'habileté. Lui, sur la tête. Merde, mon flingue déconne. Donnez le flingue. Ouais, vous avez qu'à les combattre si vous voulez. Moi je me tire d'ici. Vas-y, crève. Où sont les zombies? Ah là. Putain, avec une bombe d'essence. Non, tirez-vous. Lâchez-moi, bon sang. C'est quoi ce truc? Ah, il faut battre l'essence. La chance, ça explose pas. Ah,
Ouais, mais dégage-moi ça. À chaque fois que je prends un nouveau machin, il y a ça. Hop, je recharge. Je prends les points. Ah bah là. Bon, je suis encore un piètre sauveteur. Hein. Mais ça viendra avec le temps, je suis pas encore habitué. J'aimerais bien être safe. Elle a déclenché quoi là, une explosion? J'adore son flingue. Oh. Attends, lui il avait un bon flingue lui là, non? Je sais pas. Je peux pas ramasser les flingues. Il ramasse des cartouches. Et là. Il y a un tas de trucs que je pourrais ramasser, mais qui ne sont même pas accessibles. Hey, eh bien calme en bas. Vous êtes encore vivant? Pour l'instant, la boutique est sûre. Vous nous laissez entrer? D'accord. Ramenez vos miches ici, avant que je change d'avis. Putain, mais ils pouvaient pas faire ça depuis le début? Quoi cette voix, hein? Allez, genre le petit espagnol du coin là. Bon travail. La bonne nouvelle, c'est qu'on va venir me chercher en bus d'ici quelques minutes. Si on arrive à monter à bord, on ira à la cathédrale de Tolox. On évacue les gens là-bas, d'après la radio. Mais il faut y arriver. C'est un vrai merdier dehors. On n'attend pas les retardataires. Yo! Le japonais! Ferme les volets! Forget the gate! Ah ouais, mais il sort d'où en fait celui-là? Oh! Une arme rouge! Bombe télécommandée. Oh, nice! Ouais! Ah oui, ça. C'est bon, je suis prêt là. Oh nice, merci la meuf. Voilà. Bon, je suis encore un piètre. Oh yeah. Ah, en bas, je sais pas, il y avait un bas qui se roule. Bon, en fait, ils sont en train de tous faire sans moi, quoi. Bonus que je me fais là avec tout ça. Là je pourrais tout ramasser. Ah j'ai... Ah c'était les autres. Mais pourquoi tu fais pas direct pas ça ici. Allez dans l'autre pièce. Allez les gars. Oh une herbe.
B, attendez que je la prenne, quoi. Vas-y, tape dessus. Bouffon. Ouch. Il se passe quoi là? Il y a un séisme? Oh putain, Fat Man! Wow. Putain, voilà ce que ça fait quand on mange trop McDo. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent encore plus gros. C'est plus des zombies, c'est Godzilla là. Ouais, mec, c'est que tu vois ici. Oh gros. Putain. Ah. Le japonais. Ah, waouh. Mais j'ai voulu tirer dessus, il réagit pas. L'avantage c'est qu'il a une grosse hitbox. Oh là là. L'autre qui va si loin. Ouais, je peux faire ça. Putain, merci, tu me sauves la vie toi. Oh putain, je l'ai pas vu celui-là. Non. Ouais, mais même si je lui tire dessus, en fait, je suis déjà mort. Ah, trop de fail. C'est fail Redon. Il a bouffé d'autres zombies quoi celui-là. Comment il est devenu gros comme ça? Bah vaut mieux qu'il soit avec nous que contre nous. Faire ce que vous voulez sur nous. Non, tu me gênes le japonais. Au secours, le suivant de ma mort. Je veux passer. J'arrive pas, je suis bloqué. Au secours, il y a 130 kilos qui va me maman. Mais je suis bloqué. Il vient de m'écraser et je suis bloqué dans le mur. Sérieux. Je pouvais pas bouger. J'ai pas le skill de Bobenon, mais un minimum quand même. S'écrouler sur nous. Ah.
Allez. Je l'ai eu, il était mort. J'y crois pas, je peux pas contre un cadavre mort. C'est le boss. Ça y est, on l'a eu. Par ici. Allez, vite, vite. Oh putain, là il y en a plein des points. Laissez-moi juste vérifier là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Rien. Bon. On continue l'ascension. Ben vas-y, ferme la porte derrière moi aussi, tiens. Le bus. On dirait. Oh oh. Par tous les saints! Aidez-le, je vous couvre. Tenez bon, je vous remonte. Oh putain, encore! Là, il a trop mangé chez McDo encore. Dingue ça. Aidez-le, je vous couvre. Tenez bon, je vous remonte. Laissez tomber. Pensez plutôt à vous. Non, pas tous sortir. Non.
assez d'armes. Ah, le gars d'Assassin's Creed, il est là. Oh, ouh, je t'ai pas vu. Qu'est-ce que... Ouais, le but. What? Putain, il est devant moi. J'ai aucune chance. Là, j'ai aucune chance. On est deux, ils sont à deux contre moi là, j'ai aucune chance. Je n'avais aucune chance. Putain, il y avait le gros et un autre gars à côté. J'étais seul contre deux. Seul. Comment vous vouliez que je me tire de ce pétrin? Bon, j'ai un temps d'adaptation un peu long, je sais, mais... Voilà, on joue sur PC, je sais, c'est la merde, mais... C'est comme ça, on n'y peut rien. Logiquement, après, c'est la fin du chapitre, je sais pas. Par tous les stars! Aidez-le, je vous couvre. Tenez bon, je vous remonte. Laissez tomber. Pensez plutôt à vous. Fatman. Eh, qu'est-ce que... Ah, celui-là par contre il est chiant. En plus quand il meurt il explose. Là, le bus. Et évidemment, après la cinématique, je l'ai dans la gueule. On doit descendre dans la rue. C'est trop petit ici. Bah alors, faut attendre ou quoi? Ah bah voilà. Faites-nous sortir. Oh putain le gros. On t'a bloqué le passage. Remis en plus dessus. C'est bon, lui les japonais sont morts. Ensemble, il était presque. Allez, vite. Écrase-le.
Et voilà les amis, c'est fini après quelques dizaines de fails. Un peu chiant. Rang C. Là, j'ai quand même mis presque 2 heures pour faire ce chapitre. C'est plutôt pas mal. Enfin, c'est chiant. Ok, j'ai reçu un dog tag. J'ai abattu 201 ennemis. Ah, c'est presque pile. 18 morts. Ah, quand même. Eh, quand même. Ah, alors, on va acheter de nouvelles habilités. Qu'est-ce que je vais prendre avec 9600 points avec tout ce que j'ai ramassé quand même. Alors, augmente légèrement les chances de faire une attaque critique. Ce serait pas mal, ouais. Réduit le recul de tir. Ah, Kevlar. Kevlar. Ah oui, Kevlar, c'est... obligé. Assassin, je pense qu'on va prendre. Tuer 30, j'avoue. Bravo. Zombicide. La puissance des attaques contre les zombies. Ajouter un zoom supplémentaire à la lunette des fusils. Non, c'est pas utile. Tout ça, je peux pas. Ah, évasion. Vous libérez facilement si un ennemi vous attrape. Ah, les ennemis laissent tomber plus d'objets. Ça, c'est très utile. Loup solitaire, votre partenaire ne vient pas vous aider lorsque vous êtes en danger. Ah non. Plus de munitions. Plus de cartouches. Oh, Magnum. Ça, c'est des cartouches. Ouais. Qu'est-ce que j'avais encore? Attends, débloqué après avoir complété toutes les campagnes. Ah d'accord. Faut que je montre ses habilités alors. Habilité, ouais. Carreau plus. Ah mais les arbalètes, c'est pas encore. Premier secours. Ça il me le faut. Votre partenaire vous donne une petite tablette de soin lorsqu'il vous aide. Augmente la puissance des attaques de votre partenaire lorsque vous êtes proche de l'un de l'autre. Augmente la vitesse de récupération de la vie lorsque vous êtes courant. Ça en équipe évidemment. Le deuxième il est où? Là, Kevlar, ça en équipe. Et le dernier. On va prendre assassin. Ah non, c'est vrai, j'ai pas assez de points. Concentration. Augmente la précision du tir. Ça, il me le faut légèrement quand même. Parce que j'en ai quand même un peu besoin. Voilà, et là, on économise les 100 points restants. Même si ça sert plus à rien. Eh bien. Et bien voilà, c'est ainsi que s'achève cette épopée à travers ce premier chapitre qui était donc ce chapitre justement. Donc cette session est terminée, on se retrouve donc pour un prochain épisode et je vous dis rendez-vous prochaine fois pour un nouvel épisode de Resident Evil 6. Et peut-être même qu'on aura la chance de voir la suite. Bah, logiquement, on devrait aller dans la cathédrale de Tholox. Allez. Et en effet, aller battre, je sais pas, un boss par exemple, des zombies. Peut-être déjà beau, je sais pas. Allez, bye tout le monde. C'était Redon. Pour vous saluer.